le mouvement adhésif était un autre mouvement de presse encore, qui peut animer par moi-même et après moi le secrétaire général du parti, le secrétaire national du parti, Kamato de Moga, ou aussi anime la mouvement de presse. Et donc, pour vous passer le niveau, après, je vais faire une brève intervention dans le domaine du politique. Donc, c'est important pour commencer, moi, je vais faire une interview qui collègue en donnée au cours de la semaine dans Radio Plus, qui est évidemment largement diffusée. Et pour le ranger, je vais faire un commentaire à mon égard en particulier. Et vous savez, répondez aujourd'hui à travers la presse ici présente. Comme d'habitude, la première toute chose qui nous a marqué, qui dérangeait, comme toujours, c'est à dire le même ton, le langage habituel qu'il utilisait contre son adversaire, et comme comment dans son habitude, il s'est arrivé à l'expression fidèle à lui-même, pour dénigrer, pour humilier, et pour exprimer son mépris vis-à-vis son adversaire politique. Et quand il est une causée, en ce qui concerne moi, quand il me cause moi, ce ton rempli d'amertume. Et c'est lui-même qui, dans le même interview, il me dit que l'amertume, c'est un signe de faiblesse. Je me rappelle dans le passé, vous m'avez demandé que l'amitié serve dans l'expression avilissant, dégradant. Je ne me rappelle pas envie de rappeler tout ça dans le terme méprisant qui nous servit, il a eu plaisir à l'intérieur politique. Par respect pour son camarade qui est une victime, nous avons l'expression-là, mais on ne préfère pas appeler à la presse pour une expression qualificative qui nous servit dans le passé, contre les autres du monde avec qui il n'a rapport politiquement. Ça, c'est un terme d'introduction. Deuxièmement, on a envie de faire le point aussi, quand il y a une cause d'annonce, travail dérangé, il prend les peuples pour imbécile, il a fini avec sa interview. C'est de la nous qui finalement a même mis dans l'alliance avec Pascal Valls. Et alors qu'il même dans le même interview dire qu'il y avait même certaines intelligences collectives que décision prend après la discussion. Et nous tout connaît, parce que c'est pas plus loin d'une année qui sera passée, et l'alliance a même travaillé sur côté par tout bande d'instances dans le même. Et en vérité, tout le monde connaît. Il y a même tout le temps le maître à penser qui est toujours Béranger. Et si Béranger, parce qu'il est d'accord avec l'Alliance travailliste, jamais l'Alliance là, pas-t-il pour entamer et pas-t-il pour concrétiser. Et moi, mon répète un appel que mon délai dit à la radio, c'est Béranger qui t'y rédige le premier draft, le premier de l'accord, MMM travaille avec toutes les conditions de sa l'alliance. On rédige, c'est Béranger avec sur la main, sur le critère, qui rédige l'alliance MMM travaille. Et là-dedans, c'est la toute condition de sa l'alliance-là. Et en vérité, Béranger, c'est casse-mé, et qui pousse dans la direction de l'alliance MMM travaille-là, nous tout connaît faire, parce que l'alliance-là, qui vous permettait d'être ministre pendant 5 ans, et en contrepartie, qui est accepté qu'il n'y avait pas de président pour 6 ans, pour moitié et officialisé dans la cour. En plus, Béranger osait traitement de lâche, alors qu'il le vrai lâche, c'est lui, parce qu'après la défaite de l'Alliance Parti-Travail sur lui-même, après le débat, il essaie de faire moi une boucle émissaire pour vivre et regagner une virginité politique. Et puis nous mettre ça fort là au moins, il fait moi essayer de faire moi la responsabilité de l'Alliance de même travail, ce qu'il y a un peu de faire, quand l'île ici de même, et on peut expliquer la condition de l'Alliance de même. Donc le relax, c'est pour le danger de mon rapport. Et un autre mot qui me rendait encore, qui m'a pensé en tant que
président du FNP, vous allez répondre, une dire qu'il est un pays, nous que votre passeport par l'impôt qui fissure, du trou pour rentrer dans le on réitère au nom du FNP ce qu'il nous a dit dans le passé. Nous, un parti d'opposition, nous ne payons aucun agenda, ni pas une priorité pour rentrer dans le gouvernement. Nous vous consignons de faire ce que nous faisons depuis notre création, c'est-à-dire une opposition constructive et non pas une opposition démagogique. C'est Paul Béranger, en vérité, aujourd'hui, qui est obsédé par l'idée d'un gouvernement et d'une Premier ministre. Le Togolais, depuis près de l'élection générale dans 3 mois, l'IP commence à faire sur la liste candidat, l'IP commence à distribuer le ministère, l'IP prépare son cabinet, l'IP passe dans tout le monde régional, pour un fonds de militant prépare l'autre élection générale et la cour. En tout cas, dans un mois, on connaît une des fois dans le numéro 14, dans la circonscription de moi et pour député. Je pense qu'il y a même ici dans le journal, pour la deuxième fois dans un mois, pour l'idée d'un militant, à Paul. Pas de causer qui ne causait contre moi, contre un pays, et l'idée d'un militant prépare de l'élection générale en Paracour. Alors c'est du côté de Béranger qu'il y trouve une agitation pour rentrer dans le gouvernement. C'est dans la même qu'il y trouvait un bousculade, qu'un bousculade commençait pour une Premier ministre. Béranger, il finit non seulement le Premier ministre publiquement. Il nous connaît, c'est là qu'il vient nommer dans cette interview-là. Et il vient même oublié, pour que ça va nous démontrer une nomination, le camarade Steve Obigadou, il aurait manqué, qui en vérité est un des plus anciens et les plus compétents dans ce qui est resté dans le même. Il y a eu que ce projet que vous connaissez dans le passé comme un ministre. Et je connais beaucoup de raisons aujourd'hui Béranger fait une sideline league, une média de corps, et en réalité c'est ce nom qui vient figurer le premier sur la liste de la Premier ministre en Pierre. Pour nous, dans le pays, nos agendas, c'est contribuer, même que nous dans l'opposition, dans le développement économique d'un pays, un pays progressé, dans le combat contre la pauvreté, lutter pour la justice sociale et la guerre contre la fraude et la corruption. Et pour l'élargissement de l'espace démocratique. En d'autres mots, le MP. Pour continuer à mettre cela à sortir de la position pour une nouvelle ordre économique, morale et sociale. Et finalement, Béranger dit à notre interview, c'est à cause de nous qu'il y a une guerre des élections municipales. Malgré cette demande, ça peut même passer un temps, c'est pas passer la moitié, mais les complets de l'UE, il y a à cause de nous qu'il y a une guerre des élections municipales. En réalité, nous connaissons. C'est la perte de crédibilité de Paul Béranger aujourd'hui qui vient faire un même PSI élection municipale 120 euros. C'est le découragement de la militante avec la stratégie de Béranger pendant tout ça les temps-là qui vient faire un militant de Sakharov à côté de l'élection municipale. Et Béranger calcule une traite hypocrite. Pareil que moi, je traite tout le dissident, tout le militant, qui finit l'indifférence d'opinion avec lui dans le passé, qui lui prend de distance avec lui, pour une raison politique. Et puis, Djibou Bardan, Bagadou, Beresna, Nababsin, et encore des centaines de malheureux militants, qui lui gagne l'indifférence, pas une différence politique avec lui à certains moments, et qui avait quitté, tout ça, nous avons pu rentrer dans le dans le grand air. Pareil que moi, il est en vérité, le problème de Béranger, c'est qu'il soit égo tellement fort qu'il est toujours, croire qu'il est tout seul et n'a raison tout le temps. Et dans l'interview qu'il est venu donner là,
et puis accepter qu'il soit pris par défaut, c'est qu'il maltraite du monde excessivement. Et c'est vrai. Et Pérazé, tu disais, en vérité, après soigner son ego, pour lui même progresser. Et ça, c'est la seule façon que je suis capable de faire toute seule pour les militants qui a encore suivre lui, capable de progresser dans notre vie. Voilà les quelques remarques que vous avez faire pour répondre pour le ranger, pour parler de l'interview, commenter et finir notre interview. On vous passe la parole à la camarade Joe Le Jongor, le secrétaire national, responsable des relations internationales, du coup, maintenant, par la relève, et du coup, cause surtout sur le dossier éducatif.